Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir chez vous Annie Lemoine, Pierre Bénichoux, Maman, Isabelle Alonso, Philippe Gueluc et Perry Cochard. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Je suis content de voir que mes copines comme ça. Et je me demande si je ne départ pas, tellement elles sont charmantes. Oh. Mais toi aussi, Pierre, évidemment. Tu n'es pas charmante, t'es carrément beau. Mais oui. Ah, voilà, non, quelqu'un, là, voilà quelqu'un qui a du jugement. Manal. Et tu crois pas si bien dire, parce que j'ai vu la photo de Pierre jeune. Non, quel bel homme. Ah oui. Elle la diffuse, cette photo. Ne retournez pas le couteau dans la plaie. C'était formidable. C'est une photo, c'est mais un document. Reste, hein. C'est un document historique, c'est une photo de Nicéphore Niépce, l'inventeur de la photographie. J'ai encore la plaque. Ouais. Annie Lemoine a obtenu un prix littéraire hier soir, je crois. Oui, c'est un prix multiculturel. Enfin voilà, je suis vraiment contente. J'ai pas été aussi fière depuis ma première étoile au prix Saint-Germain-des-Prés. Ouais, c'est chic, hein, pour la provinciale que je suis. Allez, je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Madame Bernadette Chirac, qui, dans le Nouvel Observateur cette semaine, c'est repris par Le Parisien ce matin, déclare qu'elle est partante pour 5 ans de plus à l'Élysée, que la messe n'est pas dite, déclare-t-elle, et qu'elle sera en campagne dès que Jacques Chirac aura pris sa décision, quelle qu'elle soit. Elle ajoute même, vous avez vu comme il est en forme? Et voilà, une migraine de plus pour Nicolas Sarkozy, qui lui avait signé l'Élysée en viager et qui y croyait. Déjà qu'en 2002, avec 82% des voix, le président avait été élu avec un score de dictateur africain, et bien maintenant il pense à une présidence à vie, c'est logique après tout. Je crois que Bernadette a peur des charentaises. Je ne parle pas de Ségolène, je parle des pantoufles qui seraient les siennes si jamais Jacques ne se représente pas. Va falloir. Va quand même savoir que Nicolas Sarkozy pense à s'allier avec la ministre de la Défense, Madame Michèle Alliot-Marie, parce qu'à part un putsch militaire, on ne voit pas comment ils vont déloger les Chirac. Vous avez parlé du score de Chirac. Maintenant, en Afrique, quand un président fait 82%, on dit c'est un score de président français. Isabelle Allonge. Enfin, faut quand même que quelqu'un dise à Chirac qu'il suffit pas d'être populaire entre deux élections. Il faut faire des trucs. Parce que populaire, il l'est. Une autre photo, justement, du président Chirac, qui était en déplacement hier à Amiens, dans un quartier de la zone franche urbaine. Et on le voit, regardez dans le Figaro, se laisser prendre en photo par des jeunes. Et Libération nous précise qu'un jeune s'est adressé au président en lui lançant cette phrase, je cite la phrase de Libé, « Ouais, tu peux pas lui dire à Sarko que c'est un bâtard !» C'est quand même assez spécial. C'est sûrement pour ça que le président a voulu faire une photo souvenir avec cette jeunesse si sympathique. Oui, c'est vrai que c'est rigolo, cette photo, quand même. C'est assez incroyable. On voit bien que là aussi, il vise Nicolas Sarkozy, évidemment, le président de la République, en faisant cette photo avec des jeunes de banlieue. Parce que c'est une chose que, pour l'instant, M. Sarkozy évite de faire depuis un petit moment, c'est retourner dans les banlieues pour ne pas provoquer les mêmes problèmes qu'on a connus il y a un an. Et là, Chirac, c'est un pied de nez incroyable qu'il fait au ministre de l'Intérieur. Il paraît qu'en rentrant à l'Élysée, il a dit à Bernadette, Bernadette, c'est formidable, il paraît qu'on peut se photographier avec un téléphone. Et il a pris le combiné. Ils ont encore un vieil appareil chez... Et il a pris le téléphone et ils ont souri tous les deux devant. Une autre photo, celle de Ségolène Royal, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn, entre qui les militants socialistes vont devoir faire leur choix demain soir. Bon, alors deux d'entre eux pourront toujours, de toute façon, noyer leur chagrin dans le Beaujolais nouveau, puisque le Beaujolais arrive ce soir. Il paraît que cette année, il a de la cuisse, une belle robe et davantage de souplesse. Ben voilà, c'est sûr, Ségolène a au moins déjà gagné les primeurs au sein du Parti socialiste. Autre photo, celle de Jean-Pierre Raffarin qui affirme que Nicolas Sarkozy lui a proposé l'UMP. L'ancien Premier ministre ajoute même dans le Figaro « Je ne suis pas demandeur, j'ai déjà beaucoup donné ». C'est marrant qu'il ait beaucoup donné parce que les Français ont l'impression de ne pas avoir beaucoup reçu, eux. Hein.
On passe au Pax avec ce titre qu'on n'aurait jamais imaginé voir un jour à la une du Figaro quand on se souvient combien la droite avait combattu cette réforme du gouvernement Jospin. Regardez à la une du Figaro, succès confirmé pour le Pax. Il faut dire qu'en page intérieure, on nous explique, calculez vous-même, que 85% des signataires du Pax, puisque 15% sont homosexuels, 85% seraient hétérosexuels. Ce que j'aime, c'est le « serait », représenterait, parce que c'est quand même assez facile à savoir, on peut être affirmatif. Si c'est un homme qui se pacte avec une femme, il y a quand même forte chance qu'il soit effectivement hétérosexuel. Perry. Ah non, mais moi, je suis pour le Pax, pour l'adoption des homosexuels avec des enfants. Tu veux adapter un homosexuel? Le Pax fonctionne en tout cas mieux que le PAC français qui se prépare à affronter à nouveau les All Blacks samedi prochain au Stade de France. Heureusement, on a quand même trouvé un moyen de ridiculiser les joueurs néo-zélandais. En effet, hier, Max Guazzini les a transformés. Regardez cette photo dans le Parisien en All Pink. On leur a mis un maillot rose. Et encore, on n'a pas tout vu. Il paraît que samedi soir, leur fameux cri de guerre, le AK, sera remplacé par Vanina, Vanina. Comme ça, on aura peut-être nos chances. Annie Lemoine. Écoutez, le rose va très bien à Fabien Galthié. D'ailleurs, il sera votre invité demain. C'est vrai. C'est bien de faire des annonces comme ça. Elle vient d'obtenir le prix de la speakerine, Annie Lemoine. On termine par le match amical ce soir au Stade de France, match de football, cette fois France-Grèce, avec avant le match un hommage qui sera rendu aux champions du monde 98 et champion d'Europe 2000, la bande à Zidane. Et regardez ce titre du Parisien ce matin. Ce soir, Zidane commence sa nouvelle vie. Un titre un peu tendancieux, je trouve. D'ailleurs, quand on sait toutes les rumeurs qui tournent en ce moment autour de Zinedine Zidane, Zidane commence sa nouvelle vie. Ce n'est pas tout à fait par hasard, à mon avis, que le quotidien a titré ainsi. Ah. Bref, ce soir, c'est un match de gala, ce qui est plus prudent qu'un match de voici. Après Villa Jasmin, le journaliste, réalisateur, producteur Serge Moati publie Du côté des vivants chez Fayard, un ouvrage dans lequel il mêle sa propre histoire à celle d'Henri, un jeune juif tunisien orphelin forcé de quitter son pays natal en pleine guerre d'indépendance pour la France. Jouant d'un va-et-vient constant entre réalité et fiction, on peut dire que ce livre, Du côté des vivants, est un livre moitié roman, moitié biographique. On y découvre cependant filigrane la face cachée de celui qui présente chaque semaine l'émission de débat Riposte sur France 5, une émission qui connaît un grand succès. Alors pour parler ensemble de ce dernier ouvrage, Du côté des vivants, accueillons tout de suite Serge Moati. Chez Fayard, Du côté des vivants. Bonjour. Mais avant de parler de ce livre, un mot, parce que je sais que vous avez tellement de casquettes, moitié réalisateur, moitié écrivain, moitié animateur, moitié producteur. Vous produisez un téléfilm qui passe sur notre chaîne ce soir, sur France 2. À 20h50, qui s'appelle Des fleurs pour Algernon, qui est réalisé par David Delrieux. Et il y a dedans un personnage extraordinaire d'handicapé, c'est formidable, joué par Julien Boisselier, qui est un comédien magnifique. Mais vraiment à ce point bien, ou c'est juste un peu... Non, mais je ne peux pas parler autrement. Mais avec Hélène de Fougerolles et Julien Boisselier. Et c'est vraiment un film magnifique, vraiment, je le recommande vivement. Je suis pour rien, je suis coproducteur, et c'est vraiment un film magnifique. Et les téléfilms fonctionnent bien sur notre chaîne. Ouais. La preuve, hier soir, alors qu'il y avait Astérix et Cléopâtre sur une chaîne concurrente, le premier épisode de Petit Meurtre en Famille, la saga policière que lance notre chaîne, a fait plus de 28% de téléspectateurs devant leur écran pour regarder ce premier épisode adapté d'Agatha Christie. C'est un énorme succès, les fictions marchent très très bien sur le service public. Bravo. Bravo. Arte aussi, on produit un film qui passe ce soir sur Verdun, qui est très beau aussi. Non mais je suis désolé. C'est pas possible, ça, Moati. Je suis honteux, je sais, je suis très gêné. C'est un concours de circonstances. Et même dimanche sur Riposte, devinez qui je reçois? Allez-y. Dominique de Villepin. C'est voilà. Pas vrai. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Applaudissements timides, hein. Ouais. Justement, voilà. Puisque c'est la présidentielle l'année prochaine, plus personne ne l'ignore. Vous pensez ça, maintenant, on sait que vous êtes un spécialiste des documentaires, vous suivez régulièrement un candidat ou un autre, et on adore voir évidemment les coulisses, les arcanes de cette campagne présidentielle à chaque fois. Vous aviez fait ça en 2002, et même, je crois, lors de la présidentielle précédente. Oui, bien sûr. Là, vous allez suivre qui, vous savez déjà? Non, je vais les suivre, je pense, tous, et ceux qui vont essayer de provoquer des surprises cette année, c'est ça qui va être amusant, etc. Parce qu'en 2002, par exemple, j'étais chez Le Pen. On ne s'y attendait pas, mais j'étais chez Le Pen, et j'ai vécu avec lui
le moment où il apprend lui-même qu'il est au second tour. Donc vous il faut essayer. Vous l'avez beaucoup reproché, ça d'ailleurs. Pourquoi ? Mais je comprends pas. On vous l'a reproché. Mais pourquoi ? Parce que si vous aviez été le péniste, on ne vous l'aurait pas reproché. Ah oui, d'accord. Vous étiez avec Jospin. Il a refusé que vous le filmiez dans certaines circonstances intimes. Et vous avez dit, bah, si c'est comme ça, je vais chez Le Pen. Mais j'ai eu raison, non ? J'ai eu raison, non ? Parce que moi, en plus... Mais oui, non, mais c'était courageux de le faire. Ouais. Mais ça ne vous a pas empêché d'être critiqué. Vous le dites vous-même qu'il faut de l'empathie pour faire de bons portraits des gens et qu'il faut de l'empathie, qu'il faut savoir... Mais je pense ça, oui. Bon, c'est dans votre dossier, vous le dites. Ouais. Bon, alors, donc, l'empathie que vous aviez pour Jospin laissait penser que vous ne pourriez pas en avoir... Pour Le Pen. C'est ridicule, on ne peut pas interviewer quelqu'un sans empathie, c'est impossible. Il faut être... essayer d'entrer dans sa tête. Donc, ce qu'on vous a reproché, c'est d'avoir une empathie un petit peu voyageuse. On va essayer de vous interviewer quand même. Voilà. Ridicule, mais passons à autre chose. Bon, bah, passons à votre livre, vous êtes d'accord, vous êtes venu pour ça, cher Serge Moati. Du côté des vivants chez Fayard, j'ai envie de me tourner vers le prix Saint-Germain. Annie Lemoine, qu'est-ce que vous avez pensé de ce côté des vivants? Est-ce que vous aviez lu d'ailleurs la Villa Jasmin? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors vous faites partie des gens qui ne se remettent jamais tout à fait d'avoir passé une enfance de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà quoi, tout ce qu'on sent dans ce livre, de la nostalgie avec tout ce qu'il y a là-bas. Ça démarre vraiment bien le livre. Il y a une scène fantastique, comme une scène de cinéma d'ailleurs, ce serait peut-être difficile à tourner puisque les parents sont morts. Mais le héros va chercher les parents au cimetière, ça se passe là-bas en Tunisie, et voilà ce que dit le héros. « Regarde Henri, comme c'est beau !» ce qu'ils ont fait pour les fêtes aux Dames de France. Et aux Doigts de Fée, c'est encore plus joli que l'an dernier. Et les Galeries Lafayette, la vérité, on se croirait à Paris. Oh Serge, tu as vu la vitrine du Magasin Général et ce chapeau? Non, celui-là, avec la voilette chez Zizette. Tu crois qu'il m'irait? Je me demande si tu n'as pas préféré celui que j'ai vu chez Balsamo. Non, c'est plutôt chez Biconti. Alors qu'est-ce que t'en penses, mon chéri? Elle est belle, ma mère, disait le petit auquel on ne demandait rien. Voilà, alors il y a toute la nostalgie du pays, ce qui vous a marqué, vous avez vécu là-bas enfant. Et puis, il y a la douleur d'avoir perdu des parents jeunes. Vous avez perdu vos deux parents quand vous aviez 11 ans. Mmh. Et ce livre, c'est beaucoup de ça, beaucoup de douleur qui est tissée. Oui, c'est-à-dire que quand on perd ses parents, quand on a 11 ans, on met beaucoup, beaucoup de temps à accepter d'abord qu'ils sont morts. C'est très compliqué, parce qu'on croit toujours qu'ils vont revenir. Et le bouquin s'appelle « Du côté des vivants », parce que vraiment, vraiment, il y a une seule chose qui est intéressante, c'est la vie. Et c'est d'être du côté des vivants. Alors j'espère que le bouquin, il est aussi une leçon de vie, quoi. Parce que c'est ça qui m'intéresse, du côté des vivants, parce que c'est quand même beaucoup mieux que la mort, la vie. Isabelle Alonso. Alors, c'est un livre où les frontières sont floues entre fiction et réalité, entre la vie et la mort, entre la grande histoire avec un grand H, et j'ai appris beaucoup de choses sur l'indépendance de la Tunisie que je ne connaissais pas, et votre petite histoire à vous. Donc ça donne un récit qui est complètement... Alors c'est vrai, ça part dans tous les sens, et en même temps, ça perd jamais le fil conducteur, et j'adore vos formules. Je vous en citerai deux, aux deux niveaux du livre. La première, c'est une définition de l'éloquence de Nasser, le président de l'Égypte à l'époque de la fermeture des canals de Suez, et vous dites le raïs, Nasser donc, c'était Mussolini plus Kalsoum. Alors ça, c'est un portrait déjà magnifique. Et à un autre moment, page 420, à propos de vos capacités de séduction quand vous vous lancez dans la conquête des filles, vous dites « Je n'étais ni beau ni sportif, j'étais bavard ». Et apparemment, ça marche. Donc, il y a comme ça tout un tas de formules qui font qu'on s'attache énormément au personnage, alors celui que vous êtes vous, et aussi au personnage de vos parents, en particulier votre père. On vibre pour le vrai Serge Moati, puisque vous avez repris son nom pour lui rendre hommage, je pense, et pour lui le faire vivre plus longtemps, malheureusement, qu'il n'a vécu. Et ce père, moi, j'en suis un petit peu amoureuse. Voilà. Merci, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci. Maman. Oui, alors moi, j'ai beaucoup aimé vos émissions de télé, et puis encore plus quand j'ai appris qu'à 17, 19 ans, vous avez été au Niger. Au Niger, oui. Voilà, vous avez fait la télévision scolaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était à l'époque, on faisait des cours à l'école par télévision qu'on diffusait dans les villages, un peu partout au Niger. Et là, vous êtes sur France 5, qui est la télévision du savoir, de la connaissance. Est-ce que pour vous, la télévision doit rester ce qu'elle a commencé à être à cette époque-là? Un véhicule de la connaissance, du savoir. Je pense que c'est capital, quand on fait de la télévision, d'avoir une certaine idée de la France. Pardon de parler comme ça, mais je pense que c'est très important de savoir qu'on se dit où les gens à qui on parle sont complètement stupides ou ils sont plutôt intelligents. Et il faut faire le pari de la plutôt intelligence. Et moi, j'ai beaucoup aimé travailler dans cette télévision d'Afrique, parce que d'abord, c'était ma rencontre avec l'Afrique noire qui a été pour moi déterminante dans ma vie. Et maintenant, la télévision du Niger, le pauvre, ça s'est transformé en télévision un peu bêta-souille, quoi. Alors que c'était magnifique de la faire. Et c'était formidable que la télévision soit un vecteur, effectivement, de savoir et de connaissance.
France. Et dans ce bouquin, je parle effectivement du Niger, parce que je me sens très en dette par rapport à l'Afrique noire. C'est là où j'ai commencé à apprendre mon métier. Et je trouve que ce qu'on fait dans l'oubli amnésique par rapport à l'Afrique est une chose insupportable. L'Afrique oubliée des dieux, peut-être, mais des hommes. Et ça, je trouve ça monstrueux et je suis très attaché à ça. Mais ce n'est pas la question que vous m'avez posée, c'est sur la télévision. Oui, vous pensez bien, je suis un ardent défenseur d'une télévision de service public digne et belle. Pierre Bénichou. Voilà, moi, j'ai adoré votre livre. Ah, merci. Il a l'air surpris. Non, il s'en étouffe, moi. On a eu parfois des controverses. Mais j'ai adoré votre livre, indépendamment du style, de la maîtrise, de l'histoire. J'ai bien aimé, justement, cette composition très risquée où vous faites entrer, justement, votre discours psychanalytique, enfin, que vous tenez à votre psychanalyste, où on voit, on entend vos parents vous parler, la description que vous faites de l'Algérie, la description. Alors, il y a Tunisie, aussi... Tunisie, pas l'Algérie. La Tunisie. Si ce livre m'a touché tellement et que je me trompe, c'est que ce personnage me ressemble énormément. Ouais. Parce que c'est quelqu'un de vraiment qui est transplanté comme ça d'une Algérie qui était française et d'une Tunisie qui était française aussi, dans ce Paris qui est tellement différent et en même temps changeant. Et cette volonté de perdre son accent, cette honte qu'on a. Terrible. Et après ça, ça vous rattrape et on n'a plus envie que de parler que de ça. Exactement. Votre hypochondrie. C'est terrible. C'est la mienne et c'est formidable. Et c'est-à-dire que. Et vous dites une chose que j'aurais pu écrire si j'avais votre talent. Vous dites, dans toutes les pharmacies, dans grand nombre d'officines, les apothicaires, pas ingrats, avaient posé mon buste en faux marbre blanc, orné de lumignons clignotants bleu et rose au-dessus de leur caisse. À notre bienfaiteur Serge Moiti, le pharmacien reconnaissant. C'était un geste symbolique, certes, mais qui me touchait. Philippe Gueluc. Alors moi, j'ai lu que vous, quand vous étiez petit, vous vouliez devenir danseur. Est-ce que vous voyez maintenant, comme vous êtes, en tutu rose, en train de faire des pointes à l'Opéra Garnier, sérieusement? Mais j'aurais adoré. J'étais souple, j'étais beau, je faisais le grand écart. Mais à l'époque, je veux bien, mais maintenant... Non, maintenant, ça serait un peu ridicule, je le reconnais. Bon, d'accord. Mais c'est une grande nostalgie. C'est une grande nostalgie. Pas du tout. Et vous voyez, j'en suis maintenant à être hypochondriaque, comme dit Pierre. C'est-à-dire que je suis le genre de mec entré dans les pharmacies pour demander s'il y a des nouveautés. Vous voyez, c'est un peu le genre de truc... Je trouve que Serge Moiti en tutu a un précurseur. Dans Fantasia de Walt Disney, il y a le ballet des hippopotames en tutu rose. C'est très joli, c'est très charmant, c'est très émouvant. Vous avez bien fait de venir. Perry Cochin. Votre prénom, c'est pas votre prénom? Non. Henri est votre vrai prénom, Serge. Avec un Y, s'il vous plaît, comme avec à la cour d'Angleterre. D'accord. Serge est le prénom de votre père. Oui. Pourquoi vous avez eu cette démarche-là? Et est-ce que c'est juste symbolique? Mais si c'est juste symbolique, on peut revenir à son propre prénom. Vous savez pourquoi? Enfin, vous voulez que je vous réponde? Non, oui. Vous savez, non, parce que quand on est orphelin, on est obsédé par les mémoires des absents. Hein. Et quand mon père est mort, quand j'avais 11 ans, quand j'ai commencé à faire des films, tout ça, quand j'avais 17 ans, 18 ans, parce que je travaille depuis 40 ans quand même, je mettais d'abord Serge-Henri Moiti, un film de Serge-Henri Moiti, ce qui était un peu pompier, un peu pesant. Un peu Bernard-Henri. Oui, mais enfin, non, bon, vous auriez pas... pu faire Henri-Serge. Oui, mais là, j'ai jamais osé. Donc Henri est disparu. Et je m'en veux beaucoup d'avoir enlevé ce prénom-là, parce que mon père avait rêvé de moi, enfin de ma naissance, dans un camp de concentration où il était. Où un rabbin lui disait, tu vas t'en sortir, ce qui était hautement improbable, et quand tu vas rentrer, tu vas faire un enfant à ta femme, ça sera un garçon, et tu l'appelleras Henri. Et moi, je m'en veux beaucoup d'avoir laissé cet enfant du rêve tomber au profit de mon père, mais Henri existe au fond de moi. Pierre Bénichoux. Alors, il y a une chose que je vous reproche dans votre livre, c'est votre côté politiquement correct que j'aime pas là-dedans. À part ça, bravo pour votre livre, oui, parce que... et soignez-vous bien, il y a des nouveautés dans les pharmacies. Et dans les librairies aussi, du côté des vivants, c'est chez Fayard, c'est signé Serge Moiti. Merci à vous, merci Serge. Beaucoup. Merci, Laurent. Samedi dernier, les militants verts de Paris ont officiellement décidé de conduire leur propre liste au premier tour des élections municipales qui auront lieu en 2008. Et c'est l'adjoint de Bertrand Delanoë, chargé des transports et de la circulation, M. Denis Baupin, qui pourrait conduire cette liste. Les militants verts parisiens ont en effet placé sa motion à Denis Baupin en tête des quelques votes au grand dam de l'autre écolo de la mairie de Paris, Yves Contasso, celui qui veut absolument qu'on ramasse les crottes dans la capitale, à juste raison, mais qui finit par se retrouver dans la... Enfin bon, voilà. Monsieur Vélo deviendra-t-il maire de Paris? On va le savoir avec lui. Voici Denis Baupin. Vous
Vous êtes venu en bicyclette jusqu'ici ? Non, en métro, là. En métro, très bien. Maintenant, il faut rouler dans les transports en commun, en bicyclette, en bus, en taxi. Si on veut être à l'heure, il vaut mieux. Et vous étiez à l'heure. Voilà. Parfait. Pourquoi vous présentez à la mairie de Paris être candidat, puisque, on le sait, vous travaillez main dans la main avec Bertrand Delanoë et qu'il vous a plutôt laissé faire, certains diront trop. Alors, pourquoi vous présentez contre Bertrand Delanoë, si Bertrand Delanoë, d'ailleurs, se représente, ce qu'on ne sait pas encore. Ça sera à lui de le dire. Non, mais pour notre part, c'est évident que les élections municipales sont des élections à la proportionnelle. Oui. Qui dit élection à la proportionnelle, il est normal qu'une formation politique, qu'un projet, ben, le présente aux électeurs. Oui. C'est aux électeurs de choisir s'ils veulent plus d'écologie, moins d'écologie lors des prochaines élections. Nous, ça fait 5 ans... Vous n'avez pas peur qu'ils vous disent un peu moins, cette fois ? Ben, on verra bien. On verra bien. Moi, je vois qu'un peu partout, on nous dit qu'il y a des problèmes de dérèglement climatique. Al Gore vient en France et on dit « oui, c'est très grave ». Nicolas Hulot fait part de ses inquiétudes sur la crise écologique. Et il a raison. Et tout le monde dit « c'est très grave ». J'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens pensent que ce sont des questions qui sont importantes. Et puis, je pense que depuis 5 ans, on a montré aux responsabilités que non seulement les Verts avaient des idées, avaient des propositions, mais en plus étaient efficaces pour les mettre en œuvre. J'allais vous le dire. Ça, Nicolas Hulot, il vous tire une belle épine du pied parce qu'il arrive au bon moment, au moment où effectivement, il faut le dire quand même, ça commence un peu à râler dans Paris à cause de la circulation des couloirs et ça tout dépend ça. Qui, ça dépend qui. Quand même, il y a beaucoup de gens qui râlent, que vous le disiez ou non. Il y a beaucoup de gens qui râlent, c'est un constat, on les entend, on voit bien. Et là, il y a Nicolas Hulot, c'est le sauveur. Parce qu'il arrive et puis on réfléchit à ce qu'il dit et on se dit bah, peut-être qu'ils ont raison, les écolos de la mairie de Paris, oui, parce mais... que s'il faut nous inciter à moins prendre notre voiture et à moins rouler, eh ben, ça passe peut-être parce que vous avez réussi à faire admettre dans la capitale. Il y a Nicolas Hulot, il y a Al Gore, il y a l'Artus Bertrand, beaucoup de gens qui aujourd'hui constatent, et puis vous avez la conférence de Nairobi qui est actuellement en cours, où tout le monde dit oui, le dérèglement climatique c'est grave. Je crois que tout le monde peut le constater. J'incite ceux qui n'ont pas vu le film d'Al Gore à aller le voir. Je veux dire, ça montre clairement qu'on est face à une situation dans laquelle on ne peut pas rester les bras croisés. Et qui implique quelques contraintes dans notre vie quotidienne. Eh oui, il faut aussi, si on ne veut rien changer, si on dit c'est grave et qu'en même temps on ne veut rien changer, évidemment, on n'y arrivera pas. Donc moi, je suis plutôt content que nous, à Paris, on n'ait pas attendu le film d'Al Gore et que ça fasse 5 ans qu'on a commencé à faire. Et il y a beaucoup de villes qui ne nous avaient pas attendu. Hein. Vous regardez Nantes, vous regardez Grenoble, vous regardez Strasbourg, ça fait longtemps qu'ils s'étaient engagés. Vous regardez toutes les grosses autres grandes capitales européennes, tout le monde est en train de voir comment on rééquilibre la place de la voiture par rapport aux autres moyens de déplacement. Philippe Gueluc. Ah oui, moi je suis entièrement d'accord avec, avec Al Gore, avec Nicolas Hulot et avec Yann Arthus Bertrand et avec vous. Il y a des gens qui le disent depuis très longtemps et je pense à des écologistes, notamment René Dumont qui le disait dans les années 60-70. Il disait à l'époque, et tout le monde se moquait de lui, il disait tout ce qui arrive maintenant. Et c'est une aberration de continuer à laisser rouler autant de voitures dans les villes, c'est une aberration de laisser voler autant d'avions dans le monde pour des voyages à si bas prix. Et l'argument qu'on oppose en général à ce que je dis, c'est « mais on ne peut pas contraindre, c'est une formidable démocratisation, c'est la plus belle conquête du peuple d'avoir une bagnole, de pouvoir se déplacer librement, de pouvoir aller à Cuba ou à Rio pour 3,50 francs. » En voiture, non. Pas en voiture, en avion. C'est formidable, c'est vrai, mais ce n'est pas un des droits de l'homme parce que les conséquences qui... vont s'en suivre, sont inimaginables. On empoisonne l'air de la planète et ça ne fait pas partie des droits de l'homme. Péri. Je suis 1000% d'accord avec vous, je trouve formidable tous vos couloirs de bus. Au contraire, je trouve que s'il n'y avait plus de voitures dans Paris, c'est-à-dire qu'il n'y en ait plus du tout, je trouverais ça fantastique. Mais vous ne pouvez pas obliger tout le monde à prendre le métro. Ce n'est pas vrai. Alors, mettez-nous des taxis à tour de bras pour ceux qui veulent prendre des taxis. Ah oui, c'est vrai, il y a un problème avec les taxis. Alors. Oui, il y a un vrai on problème. On est dans la seule ville moi, je suis au d'accord. Monde où il y a vous problèmes. Allez dans les grandes villes du monde, New York, Londres, vous êtes dans la rue, vous levez le bras, vous avez un taxi à n'importe quelle heure du jour. Et là, personne ne fait rien pour les taxis à Paris. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On se bat pour modifier la situation. On ne peut pas obliger non plus les chauffeurs de taxi. C'est une profession libérale. Oui. On ne peut pas les obliger à être dans Paris quand ils sont dans les aéroports. C'est le système. C'est le système. Ici. Comment on maîtrise le sujet des taxis à l'aéroport. Mais oui, ils plus que moi. Plus que moi, mais comme disait Philippe Gueluc, il ne faut pas prendre trop souvent l'avion. Il faut que vous fassiez tout pour que tout le monde soit riche pour pouvoir prendre des taxis. Mais non, c'est pas ce que je dis. Non, mais c'est sûr. Je suis pas d'accord. J'ai vendu ma voiture parce que je ne suis pas dans les plus pauvres, certainement pas, mais je fais partie de ces gens qui sont conscients qu'il y a un problème avec cette planète. Donc je ne roule plus avec ma voiture parce que vous avez réussi ça. Il y a trop d'embouteillages dans Paris et ça roule mieux quand on est en bus, quand on est en métro. Mais Annie, t'as pas quatre enfants. Mais attends, donc il faut une vraie alternative.
il faut beaucoup de bus, il faut des métros, ça fonctionne, et il faut aussi rendre possible la circulation rapide avec les taxis. Il ne s'agit pas d'une question d'argent. Il y a une difficulté, et moi je considère comme vous que le taxi est un complément indispensable du transport collectif. Voilà. Alors c'est tout un débat que nous avons avec la préfecture de police, parce qu'il se trouve que Paris est la seule ville de France dans laquelle ce ne sont pas les élus qui décident en matière de taxi, c'est l'État. Il a voulu garder cette compétence, et aujourd'hui il y a un système qui, je trouve, est relativement archaïque sur le fait que les taxis, les chauffeurs de taxi indépendants, leur retraite est payée par la vente de la plaque du taxi à la fin de leur carrière. Comme et ce système, ce système incite à ne pas développer le nombre de taxis. Isabelle Alonso. Alors moi, je suis plutôt d'un avis positif vis-à-vis de tout ce qui se passe dans Paris en ce moment. J'imagine que les contemporains de la construction du métro, que tout le monde adore aujourd'hui, ont dû râler un maximum à l'époque parce que ça a duré très longtemps et ça a complètement mis les tripes de Paris à l'air. En revanche, il y a des fois où la connexion entre l'écologie, entre l'intérêt de tout le monde et certaines mesures qui sont prises dans la ville de Paris échappent aux Parisiens moyens. Je ne sais pas si c'est la mairie ou si c'est la préfecture, mais certains changements de sens unique. Je prends un exemple très concret. Rue du Louvre, Faubourg Saint-Honoré, il y en a une qui allait dans les deux sens et l'autre qui allait comme ça. Et puis on a changé le sens de cette rue-là, ce qui fait qu'on a deux rues qui débouchent sur une avenue et... merdier constant depuis que ça a changé. Il faut organiser les choses pour qu'il y ait moins de voitures qui roulent à toute vitesse. Je pense que c'est une question de santé publique, une question de sécurité que chacun peut comprendre quand même. Je vais donner la parole à Pierre Bénichou. Alors là, il faut que vous suiviez bien vos petites notes. Hein. Ah ben oui. C'est marqué sur attaque, renvoyez. Alors il a préparé le truc. Vous pouvez y aller, c'est votre bio et tout. Moi, je prends des notes aussi, je réfléchis à l'avance. C'est incroyable, il a préparé l'émission, c'est marqué sur attaque, Bénichou lui renvoyait ses questions sur le même ton. Ah, c'est pas vrai, c'est pas ça qui est écrit. Mais vous l'avez bien préparé, vous avez raison. Je te trouvaille. Non, monsieur Boupin. C'est marqué posture, pas clown. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas clown depuis que vous êtes là. Je suis très heureux de vous voir et c'est la première fois que je vous rencontre. Mais moi, je vous ai vu. Et pourtant, Dieu sait que j'ai pensé à vous souvent. Je pense à vous tous les jours, à peu près, en voiture. Alors je vais vous dire, idéologiquement, je suis donc écolo à ma façon, c'est-à-dire que je pense qu'il faut faire tout pour réduire le CO2 dans Paris. Mais la façon cynique dont vous l'avez faite, ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre électorat, le journal Le Monde, qui vous appelle l'ayatollah. Oui, c'est votre électorat. Alors la façon dont vous avez supprimé, je veux dire, mis des bâtons dans les roues, sans le dire vraiment, au lieu d'expliquer aux Parisiens. Écoutez, on ne peut plus continuer comme ça. Si vous voulez encore que certaines voitures puissent, de temps en temps, vous pouvez prendre votre voiture, il faut tout changer. Vous n'avez rien dit. Vous avez seulement enlevé les places de parking. Vous avez changé la physionomie de Paris en faisant de ce boulevard de Clichy où nous sommes maintenant, puisque nous enregistrons au Moulin Rouge, c'est devenu un lieu de promenade sur à peu c'est près... C'est grave, c'est vrai de faire oui, de la mais promenade. Qui c'est, se c'est promène dangereux. Boulevard de Clichy mais au plein mois de novembre à Paris. Allez-y, il y a plein de gens. Et les automobilistes sont comme ça. Or, vous avez cru que ça serait populaire, parce que vous êtes dit à Paris, il y a des riches avec des voitures. Mais non, les riches, ils s'en foutent. Moi, qui suis plutôt riche, parce que je gagne bien ma vie, je m'en fous de ne pas prendre ma voiture. Je peux prendre des taxis tant que je veux. Je pourrais même avoir un chauffeur, voyez-vous. Donc je m'en fous de ça. Ce que vous pénalisez, ce sont les pauvres. Ce sont ceux qui habitent Créteil, qui travaillent à Drancy et qui ont besoin de passer par Paris et de prendre leur voiture. Ceux-là, si vous leur supprimez leur voiture, vous leur supprimez tout. La voiture, c'est la liberté du pauvre. Aujourd'hui, vous allez dans le métro, allez-y de temps en temps, hein, dans le métro ou dans le bus, vous verrez que, contrairement à ce qu'on nous raconte, ce n'est pas les bobos qui sont dans les bus et dans le métro. Ce sont prioritairement les classes populaires qui sont dans le métro. Donc ce n'est pas par hasard si dans les questionnaires, dans les enquêtes qu'on fait, dans les sondages, ce sont les classes populaires qui défendent le plus cette politique. Parce qu'eux, ils voient bien que quand on renforce les transports collectifs, ça leur permet de mieux se déplacer. Donc il faut arrêter de faire des espèces de résumés comme ça qui, tout d'un coup, signifieraient que les classes populaires seraient contre cette politique. J'ai plutôt une question à vous poser. Oui. C'est vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour diminuer la pollution? Moi, je m'en fous de pas prendre de voiture, je peux prendre des taxis. Ben non, je prends tout le temps.
Et dans le métro ? Métro, je ne prends pas le métro. Pourquoi ? Parce que j'ai les souvenirs d'enfance, ça m'emmerde. Ah bah oui, mais je suis pas arrivé donc, à mon âge, alors, si je donc, peux ne pas prendre le métro, à être obligé de le prendre pour dire je suis comme les classes populaires. Qu'est-ce que vous y connaissez aux classes populaires ? C'est vous qui en parlez des classes populaires. Qu'est-ce que vous y connaissez aux classes populaires ? Vous voulez parler en leur nom et vous n'êtes pas prêt à prendre les mêmes transports. Non mais excusez-moi. Vous pouvez faire la loi avec des socialistes frileux qui ont peur pour la majorité, pas avec nous. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Répondez-moi sur le même ton. Nous c'est qui ? Nous c'est moi et quelques-uns de mes camarades. Non, mais il a raison. Attendez, il y a un point sur lequel on peut aussi soutenir Pierre Bénichoux. Pardon, il a raison. Quand on a les moyens, c'est pas non plus un bonheur grandiose de prendre le métro. On est d'accord quand même que tous les gens qui prennent le métro le matin, ils le prennent parce que c'est pratique. C'est pas un bonheur intense d'être dans le métro serré et voilà. Et si les gens pouvaient s'en passer de prendre le métro, ils le prendraient et ils prendraient autre chose. Donc, on peut estimer que Pierre Bénichoux a tout à fait raison quand il dit à mon âge, j'ai les moyens de prendre ma voiture ou j'ai les moyens de prendre un taxi et pas me faire chier à aller prendre le métro. Est-ce que ça, c'est compréhensible, oui ou non ? C'est évidemment compréhensible. C'est-à-dire que les avantages, les intérêts individuels doivent être pris en compte, évidemment. Il y a quand même une grosse déception générale, parce que moi, quand j'étais gosse, je voyais en l'an 2000, dans tous les dessins, on disait en l'an 2000, il y avait des petites navettes au-dessus des immeubles, on passait d'un immeuble à l'autre, Et on est en 2006, c'est toujours rien, ouais, monsieur Beaupin. Je ne sais pas qui vous a vendu ça. Je voudrais revenir sur cet échange entre Bénichoux et Beaupin pour dire comment voulez-vous faire autrement ? On explique la dangerosité de la situation aux gens. Est-ce que vous pensez que les gens vont dire « Ah oui, formidable, il y a danger, donc on va rouler à vélo, on va faire... » Non, il faut imposer des choses. Les gens n'ont pas le sens civique qui les pousse à faire les choses. De même, il faut mettre des lois. Regardez ce qui se passe en Californie pour l'instant. Comment s'appelle-t-il ? Non. Schwarzenegger a fait un truc formidable. Il a dit les permis de bâtir concernant les habitations répondant aux normes écologiques vont passer devant tous les autres. Vous savez, les permis de bâtir s'accumulent. Il y en a. Laurent, vous voulez bien écouter ce que je dis au lieu de lire ? Non, mais c'est tellement drôle les notes qu'il a reçues, c'est incroyable. C'est écrit toi le belge, ta gueule. On n'a pas le droit. Attends, mais je voudrais terminer. Non, laissez-moi juste dire ceci. Il faut des lois pour essayer de faire avancer l'histoire dans le bon sens. En Californie, il y aura priorité pour les maisons écologiques. Eh bien, du coup, tous les entrepreneurs se sont ralliés à ces techniques-là et ont dit, on va abandonner les vieilles normes de construction, on va tous construire écologique. À Paris, c'est utile, et on ça. Va... Chacun a parlé de ses petits transports en commun et des pistes d'atterrissage pour hélicoptère, parce que moi, c'est mon moyen de déplacement. vous avez un hélicoptère. Philippe. Voilà, je voudrais juste apporter et tenter d'apporter une conclusion à ce débat. Voiture ou vélo, j'ai la preuve que le vélo, c'est mieux que la voiture. Il y a un an, dans les banlieues, on a mis le feu à des milliers de voitures. On n'a incendié aucun vélo. On aura l'occasion. C'est un débat éternel. Paris est en train de changer, en tout cas, c'est vrai. Merci, monsieur Denis Beaupin. Merci. Au revoir. Notre dernier invité pour ce soir, c'est le plus belge des chanteurs français né en Italie. Nous allons accueillir non pas Salvatore Adamo, non pas Frédéric François, mais Claude Barzotti qui signe son grand retour grâce au succès, entre autres, du film Camping, puisque dans le film avec Franck Dubosc, ses chansons à Claude Barzotti, Madame ou Le Rital, font partie de la bande originale et que depuis on n'arrête pas de l'appeler pour qu'il aille chanter à droite à gauche, d'où cette nouvelle compilation de ses 20 grands succès. C'est à lui que l'on doit... aussi cette chanson, par exemple, « Je ne t'écrirai plus, je t'apprendrai l'amour, femme, je vous aime ». Voici mesdames, mesdemoiselles et aussi messieurs, Claude Barzotti. Bonjour. Ben oui, moi, quand j'ai reçu votre compile, j'ai été très surpris parce que je me souviens très bien vous avoir déjà reçu ici il y a quelques années pour une autre compilation. Je me suis dit, mais il y en a déjà eu une compile, pourquoi il nous en ressort une autre ? C'est la même. C'est la même, en fait. Voilà. Mais c'est parce que là, maintenant, on vous la demande. Exactement.
Grâce au film Camping. Tout à fait. Ou à cause du film Camping, ça dépend de quelle place. Grâce à eux, oui. Grâce. Ils vous avaient prévenu que vos chansons allaient être dans le film ? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, ça fait beaucoup de bien, puisque grâce à ça, j'ai beaucoup de spectacles. Et le disque s'est vendu, on est disque de platine en Belgique, et en France, on est à 200 000 bientôt. C'est incroyable, la compile de Claude Barzotti, avec ses deux chansons. Na 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 na, madame, ta na na na, madame. Je la connais par cœur. Souvent, je pense à vous, madame. Madame. Et l'autre, eh bien, je suis Rital. Et je le reste. Ouais, ça, c'est facile. Là. Vous ça, me la c'est... faites quand même. Allez. Allez, allez. Je suis Rital et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce. Je suis Rital et je le reste. Yeah. Vous êtes contente de voir revenir Claude Barzotti, Isabelle Alonso ? Mais je suis très contente. J'étais déjà là quand vous étiez venue l'autre fois. Évidemment que je suis contente de vous voir arriver. D'abord parce que vous êtes un compatriote à moi. Je suis espagnole née en France, vous êtes italien née en Belgique, ça crée des liens. Et eh ben ouais, on est compatriotes. Et voilà, je suis bien contente de vous réentendre. Mais moi, je me pose une question à chaque fois qu'on vous voit, parce que vous faites partie de cette tribu de chanteurs italiens qui ont cette voix rauque, cassé, qui parle directement aux hormones, on peut dire que c'est quelque chose de très sexy. Non, pas toi, si, toi aussi. Ouais. Et c'est amusant que tous les Italiens qui chantent, et même les Italiennes, ont cette voix cassée, là, sur un mode très grave, alors que l'italien est une langue que je trouve très aiguë, très bocconcini, gorgonzola, et tout comme ça. Et je me demande si c'est pour enlever le côté un petit peu... Non, c'est fou, parce qu'en fait, au départ, j'avais une voix très cristalline, et... ça marchait pas du tout, et puis j'ai mué, et j'ai eu beaucoup de mal par contre au départ, puisque les maisons de disques disaient que j'avais une voix de malade. Et puis les mêmes personnes trouvent que je chante très bien aujourd'hui. Non, c'est comme ça. Ah ben, voilà, ça marche. Annie Lemoine, Madame Lemoine. Vous avez tout bon avec moi, j'adore l'italien, je sais dire une phrase, mais je suis sono molto contenta di essere a Parigi, c'est pas mal, non? Vous comprenez ce que je dis? J'ai pris deux jours de cours. Mais j'adore toute la chanson italienne, Laura Pausini, que j'écoute, et vous parlez d'amour, je ne t'écrirai plus, je trouve ça très jolie cette chanson, je magnifique, je n'en ai plus besoin, je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Voilà, c'est très simple, c'est des mots très simples, et ça nous parle, alors ça, quand je dis « nous », est-ce que c'est plus à nous les femmes? Oui, sûrement. Je crois que les hommes trouvent ça dégoulinant, romantique et ennuyeux. Bah oui, c'est ça, hein, voilà. Je me fais charrier depuis tout à l'heure. En fait, les hommes ont peur de le dire. Ah voilà, c'est votre sujet. C'est tout simplement ça. Non, mais quand ils chantent « Je vous aime », moi, ça me parle moins, si tu veux. Non. Pierre, ça vous parle, vous? Ah oui, ça me parle beaucoup. Moi, avec ma gueule de métèque, j'adore quand vous chantez « Je suis Rital et je le reste », parce que ça... Mais vous savez que les Belges, pour faire fortune en France, ils ont trois façons. Soit on fait du vélo, comme Eddy Merckx. Oui. Soit on chante la canzonetta, comme vous, comme Adamo, tout ça. Soit on dessine des chats. Pourquoi vous avez choisi? Lui, il l'a mis dans la gorge. Bravo. J'ai une question. On nous dit toujours, quand quelqu'un est un petit peu en perte de vitesse ici, qu'il est très célèbre au Japon, ou au Québec, ou au Liban. Alors, comment on est une vraie Libanaise ici, et qu'on nous dit que Claude est très célèbre au Liban, est-ce que c'est vrai? Il est célèbre, oui, mais il est célèbre comme tous comme les ici. Chanteurs un peu de sa génération. Qu'est-ce que je te dise, là? Je vais juste te dire à Claude qui reste avec nous, quoi. Claude Barzotti, son portrait par Mustapha El Atrassi. Mustapha, Claude Barzotti. Bonsoir. Bonjour. Alors, pour commencer, quelques chiffres. Vous êtes né en 1953, donc si mes calculs sont bons, vous avez à peu près 53 ans. Exactement. C'est un peu bizarre parce que ça fait à peu près 30 ans que vous avez 53 ans. Et moi, aujourd'hui, je voudrais tordre le cou à une rumeur. Voilà, vous avez une image de chanteur pour vieux dans les maisons de retraite, et c'est pas vrai. Mais plus sincèrement, je vous aime beaucoup. Hein. Je vous charrie, je vous aime vraiment beaucoup. Je vous jure, mon arrière-grand-mère a tous vos albums. Non, mais c'est vrai. Et pour moi, vous avez toujours existé depuis la nuit des temps, c'est vrai. La première fois que j'ai vu votre photo, c'était dans mon livre d'histoire en 5e. Et juste en bas, il y avait une photo de Pierre Bénichou en train d'interviewer Moïse. C'était vraiment très émouvant, vraiment. Pardon, vous avez parlé? Non, j'ai rien dit du tout. Eh bien, je suis occupé, là, c'est mais bien sûr, bien alors, c'est sûr. Qui s'appelle en fait Francesco Barzotti. Ouais, c'est ça. Mais à l'époque, pour vous intégrer dans la société, vous êtes appelé Claude Barzotti. C'est plus Barzotti qu'il aurait fallu changer.
Moi, si demain je m'appelle Jean-François Latracy, je vois pas trop ce que ça va changer. Hein. C'est vrai. Pourquoi, Claude? Mais tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de François. Il y avait Frédéric François, François Valéry. Tout simplement. Et la maison de disque, je trouvais que ça sonnait mieux. Mais alors, il va ouvrir deux restaurants en Belgique, c'est vrai, c'est ça? C'est ce que j'ai entendu, ouais. Vous êtes d'origine italo-belge, alors j'imagine qu'en spécialité, vous servirez des spaghettis frites. Je suis pas sûr que ça marchera. On les mange très bien chez moi. Vous irez à des restaurants? Vous avez deux restaurants à Bruxelles? Oui, mais j'en parlerai pas. Ah bon, pourquoi? Ouais. À Bruxelles? À Bruxelles, ouais, Bruxelles, oui. Vous n'êtes pas déjà marché? Très bon. Pas encore, pas très bon, il faut venir. Alors, ce qui a plu dans votre chanson à l'époque, je pense, que c'est que vous avez dit « Je suis Rital et je le reste oui. ». C'est ça qui a plu aux Français. Parce qu'ils se sont dit « Ouf, il est Rital, mais au moins, lui, il veut bien le rester. Ah, » Je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que vous auriez vendu encore plus d'albums si votre chanson s'appellerait « Je suis Rital et je vais rentrer dans mon pays ». Ça aurait encore plus cartonné. Et d'ailleurs, le monde entier aime ces chansons. D'ailleurs, la plupart des sans-papiers expulsés dans les avions chantaient vos chansons. Mais ils ont changé un peu les paroles. Ça faisait « Je suis malien et je le reste, puisque Sarkozy nous déteste. » Voilà, c'est international. Moi, j'adore. Vous êtes chanteur, sinon, grâce à une coutume italienne. C'est que... Alors, c'est très bizarre, mais je vous jure que c'est vrai. Quand un enfant naît, on accroche son cordon ombilical dans un buisson épineux. Et plus tard, il a une voix en or et il chante à la Scala de Milan. C'est vrai, ça. C'est vrai. Il y a une coutume qui dit que si les parents veulent que leur enfant devienne chanteur, il suffit d'accrocher le cordon ombilical après la naissance sur un buisson épineux. Et mon père l'a fait. Mais il faut le couper. Il ne faut pas le laisser bébé pendre sa femme. Mon père l'a fait, c'est là-bas. C'est papa Antonio qui a fait ça. Oui, tout à fait. Vous adorez faire des concerts en Corse en été. Moi, je trouve ça très malin. Je suis sûr que vous adorez faire des concerts en hiver à Chamonix. Sinon, vous êtes un grand fan de Mozart, un grand, grand fan de Mozart. Il y a une citation de Guitry qui dit qu'un silence après un Mozart, c'est encore du Mozart. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait dire aussi qu'un silence après une vanne de Mustapha, c'est un bide. C'est juste ça. Être italien, aujourd'hui, c'est pas facile en France. Après la Coupe du Monde, ça va être un peu dur. Hein. Moi, je pense que vous devriez changer les chansons, les paroles de votre chanson en « Je suis Rital, mais j'aime beaucoup la France, Zidane et sa sœur. » Et je suis tout le fait, je sais pas si je vais rester Rital. Voilà. Ça sera un peu plus long. Ouais. Mais ça marcherait mieux, je pense. Sinon, pour ses 8 ans. Ouais, c'est ça qui l'a fait naître un peu dans la musique. On vous a offert un accordéon à 8 ans. Oui. C'est ça. 6 ans, j'avais. 6 ans, ouais. Voilà, 6 ans. Et aujourd'hui, on n'est pas très content si on nous offre un accordéon dans la société. En 2006, aujourd'hui? Ouais, ça pourrait être estimé comme un acte d'agression pour un enfant. Il pourrait aller brûler un bus juste pour ça. Et je pense que le juge comprendrait. Il dirait quoi? Pourquoi il a brûlé ce bus? Il va faire un accordéon. Ok, je le relâche. C'est bon, circonstances atténuantes. Et c'est vrai que les enfants n'ont rien à voir avec l'époque. Aujourd'hui, ils ont un ordinateur portable à 8 ans. Ils ont un lecteur DVD. Ils ont tout ce qu'il faut. Moi, j'ai un petit de 8 ans. Un petit neveu, bien sûr. C'est pas mon fils. Et la dernière fois, j'ai demandé comment ça se passait en CE2, tout ça, et il m'a dit « Ouais, tranquille, bien, avec ma meuf. » Et moi, j'ai horreur de ça, vraiment, je tiens à en parler, je tiens à ce que les enfants restent des enfants. Moi, quand il y a un petit de 8 ans qui me dit « J'ai une meuf », c'est un truc que je peux pas supporter. Surtout que quand moi, je vois que j'ai 21 ans, que j'ai toujours pas de copine, voilà, ça me saoule. On va faire quelque chose. En fait, vous l'aimez bien, cette chanson « Je suis Rital et je le reste ». Mais je l'aime vraiment beaucoup, et je trouve que c'est une bonne qualité d'assumer son identité. D'ailleurs, je vais faire pareil avant de partir, j'ai pas peur de le dire. Je suis français, je le reste. Voilà. Merci beaucoup, Mustapha. Merci. Mustapha et Latracy. Est-ce que vous avez alors des nouvelles chansons qui sont prêtes, Claude Barzotti? Oui. Ah. Mais je ne sais pas quand ça sortira. Et ça va faciliter, j'imagine, le succès de la compile qui était déjà sortie, mais là, qui est rééditée. Ça va faciliter la tâche auprès des maisons de disques, peut-être? Tout à fait. Donc là, je prépare un nouvel album qui sortira, je n'en sais rien. Je l'ai commencé. En tout cas, il est commencé. Bon, je l'ai commencé. Tout à l'heure, on recevait M. Denis Baupin, candidat écologique. Je ne sais pas si vous faites attention à l'écologie. Oui. 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 On a quelqu'un de très écolo dans cette équipe, c'est Jérôme Bonaldi. Salut Jérôme. On m'a prêté un nouveau costume. Bonjour. C'est un costume climatisé. C'est le premier costume pour homme climatisé. En gros, il me rafraîchit quand on a chaud et il me réchauffe quand il fait froid. C'est magnifique. C'est génial. C'est vrai, ça? Oui, oui, ça marche vachement bien. Ça, c'est grâce aux matériaux à changement de phase. J'explique. Petit cours de physique rapidos. Imaginez que je sois habillé avec de la cire. Je vais poser ça là. Voilà, bougez pas, on s'en servira plus tard. De la cire, elle change de phase. Elle devient liquide, solide, d'accord, à température vers 70 degrés. Je suis habillé en cire solide, la bougie. Je vais dehors, d'accord? Je reçois plein de chaleur. On va tous les deux dehors. Moi, ma cire, elle fond. Elle change de phase. Et en changeant de phase, elle absorbe de l'énergie.
Donc moi, je reste au frais, tandis que lui, il a chaud. Ensuite, ma scie à liquide, hop, avec mon costume qui est comme ça, je sors dehors, il fait très froid. Lui, il a froid d'un seul coup. Non, moi, la cire, en redevenant solide, va rendre de l'énergie. Elle rend de la chaleur. C'est de la clim. C'est-à-dire qu'en gros, quand la température fait chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, moi, mon costume, il fait. Mais c'est où dans le costume, ça? Alors, vous voulez, j'ai une photo. Faut prendre cette brique avec soi? Non, parce qu'il y en a partout, ça. Non, non, rassurez-vous. Vous voulez dire où se trouve la bougie dans le costume? C'est là, vous allez voir. Sous la ceinture. Non, vous allez voir où se trouve la bougie dans la fibre. Regardez, photo microscopique de ma fibre. Ah, oui. Mais les petites boules qui sont là, c'est des petites capsules. Dans ces petites capsules. On peut voir, nous. Ah, pardon, oui, on peut voir. Voilà. Il y a les petites capsules. C'est de la micro-encapsulation. Il y a cette fameuse cire. Ça, dans votre costume, ça. Dans le costume, regardez. Et c'est pas plus lourd à porter? Mais non, c'est très léger, ça résiste à 40 lavages. C'est exactement comme si c'était un truc normal. Je le prouve, regardez. Tenez-moi cet oreiller, parce que lui aussi, il est climatisé. C'est la même chose. La nuit, quelquefois on a chaud, quelquefois on a froid, quelquefois il fait chaud. Plus besoin de retourner l'oreiller? Non, plus besoin. Oh. Là il me réchauffe quand j'ai froid, et il me réchauffe, refroidit quand j'ai froid. 4 fois par nuit, moi. Oh. Oui, et attendez, ça, maintenant on en met dans les murs. Votre maison est climatisée, sans apport d'énergie extérieure. Elle tempère. Regardez. Voilà un tissu d'une banalité affligeante, c'est le costard que vous avez. Ah ah, il est nul, jetez-le. Voilà le même costume, on voit pas la différence, d'accord? Je vais le chauffer un petit peu pour qu'il soit à peu près. Et là, c'est un thermomètre, j'ai mis deux petits thermomètres à l'intérieur. Là, c'est la température de mon costume, et là, c'est la température de votre costume, le vieux. Il fait chaud, 290 degrés. Non, non, 29,2. Je chauffe les deux. Vous voyez que la température commence à monter. On va atteindre les 35 degrés, la température de votre corps approximativement, d'accord? Voilà, ils sont tous les deux. Voilà, 35 degrés, hop. Et maintenant, je vais mettre un grand coup de froid. Avec ça, c'est de l'azote liquide, enfin, c'est du CO2. Ça va faire un coup de froid. Attention, 1, 2, 3. Oh, qui fait froid. Ah, ah, ah. Regardez, moi, je reste à 33 degrés et vous êtes à 8 degrés. Vous voulez geler 6 degrés alors que moi, je reste à 31 degrés. C'est pas une preuve flagrante que moi, je suis climatisé et pas vous? 30 degrés et vous êtes à 8 degrés. Je veux, le mec qui a rien compris. Je veux bien, mais c'est un peu lourd à porter comme costume. Franchement. C'était jusqu'ici réservé à des trucs très très perfectionnés dans le genre des tenues pour le ski. Le ski, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on a chaud, on a froid, on a chaud, on a froid. Maintenant, ça y est, enfin, les costumes pour hommes. Pas plus cher, c'est... Ça s'appelle un costume thermo... Thermorégulé, on n'a qu'à dire. Thermorégulé. Vous voulez les prix? Ouais. France2.fr. www.france2.fr. Et vous connaîtrez la marque. C'est tout pour aujourd'hui, Jérôme. C'est tout pour aujourd'hui. Juste pour vous dire que la micro-encapsulation et les matériaux à changement de phase, on en trouve dans les oreillers, dans les tenues pour le ski, dans les murs maintenant, et maintenant dans les costumes pour hommes. Il peut garder l'oreiller, Claude Barzotti? Je dors avec en ce moment depuis 15 jours. Avec Claude Barzotti? Non, non, non. Avec mon oreiller. C'est le mien, il y a des traces de pneus dessus, hein, faites gaffe. Bon, enfin, voilà. À bientôt. C'est cadeau, Claude Barzotti et Jérôme Bonaldi réunis au lit. Claude Barzotti, c'est le plus grand succès. C'est l'heure du qui a vu qui, a vu quoi? Regardez le classement. Pierre Bénichou est en tête, hein, 45 200 emplois. Oh, Annie Lemoine est à l'affût, Isabelle Alonso dans une bonne moyenne. C'est surtout la pauvre Perry Cochin qu'il faut aider et le pauvre Philippe Gueluc, ce minable. 652 points pour Perry Cochin et 3000 seulement pour Philippe. Regardez la première photo. Qui est cette dame? Ça vaut 1000 points. 1000 points quand même. C'est la banquière de Jacques Chirac au Japon. Non. Est-ce qu'elle est japonaise? Non. Thaïlandaise? Non. Chinoise. C'est la femme du Premier ministre? Non. Elle est ministre des Affaires étrangères? Non. C'est elle qui va commander les Airbus? Non. Elle qui a une boutique de luxe à Pékin? Non. 10 000 points puisque ça sèche. Elle s'appelle Wang Du? Non. Je ne vous demande même pas son nom, au moins son titre. Qin Pong. Ah, son titre? Pyongtren. Non. C'est au Parti communiste? Non. C'est au gouvernement? Non. Elle a eu un Nobel? C'est dans les affaires? Non. Madame Ping Bao? Non. Non. Elle est comédienne? Non. Journaliste? Non. Et elle est en Chine, elle n'est pas ici en Europe? Elle est... Je veux dire, elle est dans le journal parce qu'elle est en Europe? Elle vient d'avoir un prix littéraire
Elle vient d'avoir un prix littéraire. Je pense qu'elle ne sera pas en Chine. Elle est consule de Chine à l'Orient. Non, non. Non, elle, elle a pris la défense des Tibétains et donc elle ne peut plus retourner en Chine. Franchement, je suis très, très déçu par vous. C'est la Dalai Lama. J'ai Catherine Barma, là, Catherine Barma qui me dit, mais ils sont payés pour lire les journaux, pour voir la presse. Pour mais que... dites-lui, puisque vous, puisque vous l'avez au téléphone, dites-lui qu'on n'a plus été augmenté depuis longtemps. Franchement. Alors, j'ai essayé de vous aider, mais ça vaut quand même 10 000 points, cette affaire-là. Cette femme va changer la vie de Christine Ockrent. Elle va être elle a été nommée au, elle a été nommée au truc de la santé mondiale. Elle est présidente. Directrice de l'OMS. Elle a pris la place de Kouchner. On va faire quelque chose d'exceptionnel ce soir. Serge Calfon, Catherine Barma, vous qui faites les comptes, vous enlevez 500 points aux 6 chroniqueurs ici présents. Non, non, moi je suis contre. Moi, 500 points pour les 6, vous avez été nuls. C'est l'arbitraire ici. Voilà. Moins 500 pour tout le monde. Ce jeu n'a pas de règles. Faut travailler. Non, c'est scandaleux. Ce jeu n'a pas de règles. C'est loin, ça vient pas de sortir aujourd'hui. Ça, je suis désolé. Elle a pris la place de Bernard Kouchner. Elle a été élue. D'abord, elle a pas pris la place. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. On n'a pas dit que c'était aujourd'hui. Bah oui, mais nous on cherchait aujourd'hui, Laurent. La preuve, on l'avait. 500 points à Pierre. Elle a pas pris sa place. Il a pas été élu. Regardez, moins 500 points pour tout le monde. Vous êtes d'accord? Photo suivante. Alors, c'est quoi la question? La question, c'est qu'est-ce qui se passe? Où ça se passe? Il y a un type qui dort pendant que les autres... Ça se passe... un mec qui fait semblant d'être mort. Non, non, pas du tout. Il est mort. Ça se passe en Irak? Non. Non. Ça se passe en Russie. Ça se passe à Moscou. 100 points pour Annie Lemoine. Assassinat du directeur d'une société russe de conseil dans le domaine de l'industrie pétrolière qui a été... abattu cet homme, assassinat hier à Moscou. Ça arrive de plus en plus fréquemment là-bas. Photo suivante. 500 points. C'est le nouveau prix Médicis Schneider. Schneider, non, c'est pas Médicis. Le nouveau prix Interallié. Allez, 100 points pour Isabelle Alonso. Allez. Je vais faire quelque chose de fort parce que j'ai été dur avec vous tout à l'heure. Ah oui, un peu. 5000 points. Je vous offre... mieux que ça. Ah, non. 20 000 points pour... si vous me dites qu'a fait cette dame. Ah, c'est l'éducation sexuelle à l'école. 20 000 points pour Maman, il a été le premier. C'est elle qui a inventé l'éducation sexuelle en France. Elle s'appelle Denise Stagnara. Fin 66, c'est elle qui a lancé cette éducation sexuelle. Elle est aujourd'hui octogénaire, elle a plus de 80 ans. Il vous a grillé de deux secondes, Maman. C'était facile de répondre. Au lieu de qui a vu qui, vous avez mis qui a vu cul. Alors, juste bisexuel avant toi. Là, c'est un peu plus compliqué. Regardez cette photo. J'offre 2000 points. Anissé Alvina qui vient de mourir. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Comédienne qui a tourné sous les caméras de Rob Grillet, qui a tourné chez Audiard dans Elle boit pas, elle fume pas, et dont les téléspectateurs se souviennent peut-être parce qu'elle avait fait ce feuilleton qui avait énormément marché dans les années 70-80, qui s'appelait Les 400 coups de Virginie. Anissé Alvina qui vient de disparaître à l'âge de 53 ans. C'était l'occasion de lui rendre hommage et ça vous fait quand même 2000 points. Ah, 2000, merci. 2000 points pour Isabelle Alonso. Bah, Claude Barzotti, alors. Vous n'avez pas trouvé, là. Non. Zéro point. Zéro point. À qui tu les donnes? Je les partagerai. J'espère que sur conseil de Denis Baupin, notre invité de tout à l'heure, vous repartez ensemble vers la Belgique, dans le même village, pour faire du covoiturage, Philippe Gueluc. Du tandem. En tandem, exactement. Non? Ah non, mais bien sûr. Mais attendez, moi, je prends que le train, le métro et le bus. Vous restez en Belgique ou en France? En Belgique, à côté. Vous repartez, là, alors? Oui. Ah, vous êtes venu uniquement pour nous? Et demain, je suis en spectacle à côté du... dans le midi, je peux vous. Je sais plus. Claude Barzotti, Claude Barzotti en tournée à travers la France avec ses chansons. C'est le plus grand succès. Voici l'album. Merci à vous. Merci. À demain.